Bonsoir mesdames, bienvenue à toutes et à tous dans comment c'est ainsi, on a accusé un retard, indépendamment de notre volonté. Vous allez nous excuser pour ça parce qu'ils sont nombreux, ils ont commencé par nous formuler des messages. Vous êtes où? Nous y sommes, on est là. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir également à Dixon qui est à l'extérieur. Comment tu vois Dixon? Je vais très bien, Denis. Bonsoir, Denis. Et toi, ça va, j'espère? Oui, ça va. Super, très très. Seulement que je suis tellement remonté contre vous parce que vous êtes arrivé en retard. Oui. Si vous êtes du groupe, monsieur, de grande dame, vous arrivez en retard pour une mission, c'est pas digne de votre nom. Comment tu vas, Blanche? Blanche, comment tu vas? Je vais bien, je dis bonjour à Ça va. Ça va. Et Muriel, ça va? Ça va, je vais bien, toi. Je vous sens pas, c'est parce que je vous ai tiré dessus, puis il y a quoi? Je te sens comme ça va? Ça va. Très en forme. Ok, ce soir, vous nous promettez quoi? On fait du show. Du show? Et vous allez faire du show. Je vous attends au carrefour. Si vous ne faites pas le show, vous êtes foutu à jamais. Et de l'autre côté, nous avons aussi des invités qui sont là. Tout à l'heure, lui va se présenter, il s'appelle son plan Mardi. Mardi, comment tu vas? Tu as le micro, il faut parler dans le micro. Je vais super bien. Ok. Et le Idriss? Ouais, ça va. Ça va, non? Oui, ça va. Tu passes le micro par derrière. Nous avons nos amis là-bas. C'est le temps aussi de les connaître. Bonsoir, mon ami. Bonsoir. Veux-tu de moi? Comment tu vas? Bien. Ton nom? Livingston. Pardon? Livingston, à cadre de Livingston. Il faut aller doucement. Okay. Doucement. Ouais. C'est quoi le nom? C'est Livingston. Livingston. Ouais. Ok. Tu fais quoi dans la vie? Je suis juriste. Juriste de formation? Ouais, ouais. Ok. Et tu es là ce soir pourquoi? Bon, c'est vous présenter notre événement. Ok, avec Dixon. Ouais. Ok, je comprends. Je passe le micro à notre ami qui est à côté. Bonsoir, frère. Bonsoir, monsieur. Comment tu vas? Très bien. Je vous rappelle que c'est ce tonton qui m'a offert cette chemise-là. Très jolie, n'est-ce pas? Oui, c'est vous appréciez, non? Mais tu as oublié une chose, il reste la chemise de mon chef qui est derrière là-bas, qui est en train de travailler. Juste après l'émission, tu prends sa mesure et puis tu nous amènes ça le lundi. C'est pour lui, non? C'est pour lui. Tout d'abord, ton nom, c'est quoi déjà? Juste. Juste? Ouais. Tu es juste? Juste. Pardon? Juste. Juste? Ouais, ouais. Et c'est quel nom ça? Christ ou juste? Juste. Juste. Avec I? Yeah. Ouais. Ah, là, c'est la première fois de l'apprendre. Merci de te rappeler avec nous. C'est vraiment avec Dixon à découvrir tout à l'heure, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Ok, mesdames et messieurs, la seconde partie est consacrée aussi à nos artistes. Tout à l'heure, vous allez voir le plus vieux de la vieille école va arriver pour la sortie de son clip. Malinde, on arrive en Côte d'Ivoire. Il s'agit bien sûr de Ilan Touré qui va arriver dans quelques instants. Vous aurez aussi la prestation de Mardi. Il y aura d'autres qui vont arriver. Ils sont dans les coulisses. Ils vont arriver tout à l'heure pour les découvrir. Mais pour l'heure, on commence avec notre toute première rubrique qui nous parle aussi de Mood. C'est bien sûr la Blanche à sa loupe. On découvre le jungle. On se retrouve. Je pense bien qu'on peut y aller sans transition. Blanche, vous avez le micro. Tu nous parles de quoi ce soir? Donc, nous allons parler de Disney Mood. Donc, c'est pas un mois qu'on a parlé de la mood en général. Et aujourd'hui, je viens vous parler de ce que c'est comme défilé de mood. Mais c'est une complicité, mais comment Dixon va décider de faire un défilé? Et ce soir, toi, tu nous parles de défilé de mood. Je sais pas, je t'ai compris. Tu es sérieux? Ok, tu nous parles de quoi? Je parle aussi de mode. On voit dans certains pays, il y a la fashion week, il y a plusieurs choses qui valorisent la mode. Et au Togo aussi, il y a des défilés. Mais je parle du défilé de mode en général. Le défilé de mode, comme on le voit souvent sur les chaînes internationales, les chaînes internationales, bien ici. C'est un spectacle qui consiste à faire défiler des mannequins devant un public. Et quand on parle de mode, il y a la coiffure, il y a les chaussures, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement le fait de les vêtements. Donc on peut faire un défilé de mode où on présente une collection basée juste sur des habits. Aussi, un défilé de mode avec une collection basée juste sur les coiffures ou soit sur les chaussures, tout ce qui constitue la mode. Il y a aussi les accessoires, sacs, tout ça. Tout ça, on peut organiser un défilé de mode important sur ça. Et souvent, les défilés de mode ont un thème en général. Et c'est à base de ce thème que les créateurs qui sont invités à ce défilé font parler leur imagination pour sortir quelque chose d'original. On constate ici que nos couturiers, nos stylistes
j'avais fait la différence entre les deux. Mais souvent, sur nos sur, il y a des personnes qui n'ont pas de grande vision. Ils se contentent de juste faire des copier-coller. Ça veut dire que Miguel a besoin d'une chemise, d'une robe pour aller à une soirée. Elle vient, elle amène quelque chose sur son portable, un modèle déjà fait quelque part, et elle vient montrer ça, son style, je veux ça, et la personne recopie. Et ces personnes, il y a des gens qui ne participent pas à des défilés, mais d'un défilé, ça fait parler ton imagination. Par exemple, on te dit, prénom, je dis n'importe quoi, hein, thème. Il faut dire quelque chose pour toi. Oui, pas du n'importe quoi, c'est c'est pour dire, on parle maintenant de défilé de mot thème, agriculture. Agriculture. Donc, on associe aussi, disons, il y a des thématiques qui accompagnent, oui. Disons, des soirées comme ça. Des soirées comme ça. Par exemple, on prend pour thème l'agriculture. Oui. Donc, pour thème l'agriculture, donc le styliste, les créateurs doivent se baser sur ça pour créer des choses. Oui. Ce n'est pas seulement rester dans ton atelier et faire des copies. Oui. Donc, si tu veux avoir une grande vision pour ton entreprise ou bien pour ta carrière, il faut participer à des défis de mode. Et par ricochet, tu auras de la visibilité. Et il y aura des personnes qui vont voir ça le jour de ton défilé et après venir commander, pourquoi pas. Et ça fait parler vraiment ton imagination. C'est le but. C'est voir comment tu as un génie créatif pour créer des choses que les gens n'ont même pas pensé. Parce que parfois, moi, je suis là et il y a une chaîne fashionista. Je regarde les défilés, je suis là. Mais parfois, tu te poses des questions si tu veux nager ou quoi. Il y a qu'on des choses inimaginables pour confectionner des tenues et tu es émerveillé juste devant tout ça. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est juste pour présenter. C'est bon pour ce soir? Oui, c'est bon. C'est bon? J'ai compris. C'est bon pour ce soir? J'ai compris, je n'ai plus compris. Juste là, je te pose la question de savoir qui t'a confectionné ce que tu as fait. Bah, bien évidemment, c'est le tonton à côté, c'est le styliste. Juste après, on va s'attaquer. On a compris beaucoup de choses, beaucoup pour les recherches. Mais sans transition, comme ils sont là, on va profiter aussi de parler de ça quand on parle de défilé de mode. Et tonton Gisse, qu'est-ce qui t'a inspiré aussi à pouvoir penser à un défilé de mode? Dis-moi. Tiens, le micro. Dans le micro. Faites pour ne pas parler trop. Monte ça encore un peu, s'il te plaît. Et... Non, faut aller. Monte à l'aise. En fait, ce qui m'a inspiré est à se lancer dans ce domaine de défilé de mode. Et je suis souvent impressionné quand je regarde les nounous ou des autres télé qui parlent ou bien qui montrent la mode dans tout sa splendeur. Et dans toutes ses dimensions également. Donc, je me suis dit non. En fait, la chose est que eux, ils vivent ça. Donc, si moi aussi, je peux le vivre, c'est à moi de le faire à ma manière. Donc, dès lors, je me suis lancé. Et pour voilà. Ok. Mais on a le juriste aussi à côté. Je pense que notre ami n'est pas chaud. Je pense que le juriste aussi sera plus chaud que ça. Je ne sais pas si c'est notre climatisation ce qui dérange. Mais dis-moi, c'est ton ami. Tu l'assistes de part et d'autre. Et ce soir, tu l'accompagnes aussi en plateau, suivi de notre frère Dixon, pour nous parler d'un défilé de mode que vous organisez déjà quand. Et c'est à quelle occasion, dis-nous. Pour bien éclaircir le micro, on rapproche le micro. Soutient le 26. Ok, on a toi. Ok. Tout précisément au niveau de Fakota, sans face de Fakota. Et l'hôtel, elle doit être. Oui, le monde dit comme le pivot de ce qui est du tout aussi en fait. Oui. Alors on rit également en regardant l'histoire de la région venu justement par là aussi. Ça sera le palais de ce vous devez rater. Et il y aura même ce qui va défier. Voilà, il y aura une chance qui présenter les collections. Donc c'est vraiment l'élément. Je peux dire 5 étoiles dans le monde.
5 étoiles dans le domaine de la mauvaise, c'est-à-dire on veut vraiment faire chose, porter une vision, comment le thème à mon service cohésion. Voilà. Oui, c'est tout. Donc, l'information. Je vois pas un papier, les gens venus payer, que c'est gratuit. C'est pour tous les autres de statut. Vous avez les invitations vous faites si ça, mais pour toute personne qui participe, c'est 2000 francs, 5 points à la réserve, 10 000 francs, ça donnera la chômage. C'est simple, c'est si vous voyez le numéro 84-9-0-3, vous avez envie. Et ceux qui le connaissent, on arrive au compte. Merci. Et merci à Ducti et à nous. La plus seconde rubrique, une rubrique de ce soir, une seule image à différents étapes pour accomplir. Quand on parle de succès, ça de quoi chef bio, on va chercher à l'écran tout à l'heure, puis on va décrypter. Le bio pro, voilà, le bio pro, on voit quoi à l'écran, Dixon, dis-moi. Ou bien c'est Muriel plutôt. Muriel, vous avez l'image. À l'écran, nous voyons le succès. Et pour moi, le succès demande beaucoup de choses. Pour arriver à comprendre ce qu'on cherche pour vraiment le succès. Moi je connais la essence. Attends, c'est l'univers. C'est un peu pas ça. Aujourd'hui vraiment. Ouais. La confiance. Elle est à la demi. Mais je crois que d'avoir la confiance, c'est parler de soi. Cette Belize. Oui. C'est pas mal à l'aller. Et c'est là que vous sauvez la soeur. Et ton chapitre. Oui, oui. Là, on parle, c'est donc le monde des sacrifices. Succès. Sacrifice. Ma soeur n'est pas dans le monde. Tu me demandes pas si je fais sacrifice. Je sais bien que tu es là. D'accord. C'est là. La vie. La vie. Mais tu n'as pas respect. Donc tu veux que tu n'es pas. Tu n'es pas à la porte du succès. Oui. Ok. Dans bonnes personnes, c'est ceux qui ont une bonne vision que toi, ceux qui ne vont pas chercher aussi à te dérailler. Moi, j'englobe ça comme ça. Ok, le soutien. Voilà. Ok, le soutien. Ok. Bien régulièrement, la lecture. Ça permet de s'évader. Mmh. En même temps, tu corriges ton vocabulaire. Ok. Tu apprends de nouveaux mots. Justement, oui. Être discipliné, ça rejoint un peu la discipline. Mmh. Respecter les règles qu'on se fixe à soi-même. Ah, c'est bien précis. Mmh. Être. C'est une obligation. C'est une obligation. Mmh. Ok. Donc voilà à peu près ce que nous devons faire pour atteindre le succès. Ok, on a compris, si nous avons la même vision d'être au succès, d'être au rendez-vous du succès, il va falloir qu'on essaie aussi de dépasser, disons, ces étapes, être fidèle aussi à ces étapes. Cela aussi peut nous permettre, disons, si nous avons l'attitude-là, d'être des hommes modèles pour la génération à venir. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour la première partie de cette émission. Mais permettez aussi qu'on observe une transition avec notre invité de marque de ce soir, c'est bien sûr Ilan Touré. On a mis quelque part. Équipe traditionnelle, chef, on joue ça, on se retrouve en plateau.
Je disais tantôt qu'on va observer une transition, le temps de commencer la seconde partie, mesdames et messieurs. On se retrouve. Ce tonton qui est arrivé de belle, la plus belle des manières, une nouvelle sortie avec un clip qui parle Malembe, Malembe. Malembe, ouais. C'est en ivoirien, non? Ou c'est en congolais? Non, c'est en lingala. C'est en lingala, Malembe, oui. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Il s'est vendu déjà. Je dis bonsoir à mon frère Ilan Touré. Bonsoir, Dialine. Comment vous allez? Ça va bien. Le doigt, elle a duré. Ça va. Et vous êtes revenu une fois de bon? Oui. Je pense, si je me trompe, je suis en train de revenir une fois de bon. Oui, voilà. Une fois de bon. Oui. Très très bon. Oui. Merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Merci à vous. Vous êtes en tant qu'aîné, vous allez découvrir vos jeunes frères presque tout à l'heure. Okay. Avec votre œil de grand frère, vous allez vous prononcer par rapport à leurs prestations. D'accord. Mais permettez aussi qu'on dise bonsoir à ceux qui viennent de se joindre à nous. Je dis bonsoir à mon ami qui est plus. Et anglophone des artistes qui est arrivé ce soir, mais on va épuiser notre anglais là. Wizo. Hello. How are you? I'm fine. And you? You are welcome to this program. Yeah, thank you, sir. Please, what's your name? My name is Mr. Bullet. Mr. Bullet. Bullet. Yes, sir. Okay, you are welcome. Thank you.
C'est bon, non? Je vais parler anglais. Oui, bon. Mais apprécié pour ça. Justement, mais sans pas que tu apprécies la Sidonie. Imbécile que tu as. À côté de vous, tu donnes le micro à mon frère Raga. Tu prends le micro. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Comment tu vas? Bien. Et les activités? Ça va. Mais je ne comprends pas. Tu es DJ ou bien comment? Tes trucs-là m'intéressent. Tu vas me donner ça après, non? Moi, je fais de la musique, c'est ça. Donc, tu écoutes de la musique avec, oui, ou bien tu fais de la musique avec? Je fais de la musique, j'écoute aussi. Merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Merci. Et tu es là pour la prestation de quelques morceaux, n'est-ce pas? Voilà. Et ces morceaux parlent de quoi déjà? Déjà, ça parle de la vie. Il faut l'amitié. Voilà, un monde vivant. C'est ça. On doit s'aimer quand on est encore vivant. Ouais. C'est plus fort c'est que ça. C'est l'amitié qui gagne. Merci beaucoup d'être là avec nous. Merci. Et tu vas passer le micro à notre frère qui n'est pas artiste, mais qui est manager. Et lui aussi, il est anglophone. Heureusement que ce soir, nous avons des anglophones. Même si notre anglais est un peu fort. You're welcome, my Thank brother. Thank you. What is your name? My name is Maintain. You say? Maintain. Maintain. Non, fallait mon mot. Il faut durer ton anglais là. Il faut bien prononcer. Slow, hein? Slow. You say? Maintain. Maintain. Mm-hmm. You are coming to Togo. Thank you. You are the Togolese Ghanaian. No, I'm somehow Ghana Togo. Ghana Togo. Yeah. You say Ghanani Togolese. C'est un métis là. Merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Merci. Et tu as accompagné ton artiste, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, mesdames et messieurs, nous allons commencer avec les prestations, ou bien Dixon. Oui, oui. Et le tout premier qui est sur la liste ce soir, c'est donc notre ami Mardi. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi, lui, c'est mardi. Si c'est mercredi, on ne sait pas. Si c'est lundi, on ne sait pas. Pourquoi le choix de mardi a découvert tout à l'heure. Il prend le micro, tu te prononces avant de te mettre devant pour la prestation. Alors, bonsoir à vous. Oui, mardi. Oui, mardi, c'est... En fait, la signification simple, c'est celui qui perd jamais, en fait. Celui qui fait? Celui qui perd jamais. Mardi, c'est en quelle langue? C'est quel dialecte? Non, c'est pas des dialectes, c'est à partir d'une histoire. Histoire, et Narmo, cette histoire, moins de 2 minutes. Bon, en fait, mardi, c'est quelqu'un qui a été beaucoup persécuté. Quelqu'un... C'est un nom d'un personnage? Du héros de l'histoire. L'histoire, c'est un livre? Non, c'est plutôt raconté, en fait. Ok. Voilà. Je pense que sur son succès arrivé un mardi. Je sais pas ça. En fait, s'il dit mardi, c'est celui qui ne perd jamais. Jamais, oui. Il faut comprendre que les jours sont dédiés à des divinités. Mm. Okay. Et mardi est dédié à Mars. Mars. Okay. Et Mars, c'est le dieu de la guerre. Oui. Mercredi, c'est Mercure. Mm. Jeudi, Jupiter. Mm. Vendredi, Vénus. Mm. Samedi, Saturne. Ok. Donc, dimanche, ça fait Sunday, c'est-à-dire le soleil. Le soleil. Donc, mardi, effectivement, c'est le dieu de la guerre. Mm. Donc, un guerrier ne perd pas. Il a raison. Voilà, il a raison. Merci beaucoup. Moi, je ne savais pas ça, quand même. Ah, oui, je t'explique. Merci. Ok, ben, merci. Eh, mais donc, mardi, ce soir, tu nous présentes 2 morceaux. Il s'agit de quel morceau et de quel morceau, rapidement? Oui, Maman. Maman. Et Photo d'homme. Photo d'homme. Oui. Et maman. Maman, c'est quoi déjà? Maman, c'est maman en fait. C'est... Une manière aussi de rendre un hommage à nos mamans. Oui, c'est ça. Maintenant, photo d'homme, ça nous parle de quoi? C'est quoi le sujet? Bon, photo d'homme, c'est de façon ramassée. Mm. C'est dire que quand tu fais quelque chose de mal de façon cachée, mm. Ça va finir par se révéler. Ok. Okay. En fait, c'est utilisé dans un style un peu comique. À ta manière. Voilà. À ta manière. Voilà. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, on te prend en photo et on partage. Un jour, ça va être au clair. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, tu prends le second micro pour la prestation. Et vous avez cette piste. Voilà. Vous avez cette piste comme ça pour la prestation. Donc, chef, nous avons le dossier mardi. Le morceau de choix. La voix de ma mère. Depuis la vision de l'œil de l'aigle et du lecteur. Manement. On a décidé de chanter, tu sais, on vient de loin. Dans ce monde où tout bascule, on cherchait l'équilibre. Les échecs nous ont appris qu'il faut une raison qui vaut mille. Et pour laquelle tu baisseras jamais les bras. Et pour ma
papa. J'ai des honneurs à rendre à maman. Parce que pour moi, il n'y a pas son deux. Comme maman, j'ai dit il n'y a pas son deux. Comme maman, il n'y a pas son deux. Comme maman, j'ai dit il n'y a pas son deux. Comme maman, il n'y a pas deux. Comme maman, vous teniez, j'ai dit il n'y a pas son deux. Comme maman, il n'y a pas son deux. Comme maman, j'ai dit il n'y a pas son deux. Comme maman, Didier cool. Si tu choisis l'or, moi je choisirai maman. Parce que maman pour moi c'est le genre de personne qui soit prête à tout. Elle peut rester affamée pour que toi tu puisses manger. Elle peut marcher nu en public afin que toi tu puisses t'habiller. Elle est sur toutes les humiliations pour préserver ta dignité. Quand tu es malade, maman est malade. Et quand tu ne dors pas, sache qu'elle aussi elle ne dort pas. Elle prie pour toi chaque jour que Dieu fait plus qu'elle ne le fait pour sa personne. Elle est même prête à mourir pour que tu vives. Comment ne pas l'honorer, faire d'elle la reine de mon cœur. Comme maman, j'ai dit y'a pas soin d'eux. Comme maman, il n'y a pas de. Comme maman, j'ai dit y'a pas soin d'eux. Comme maman, il n'y a pas de. Hey, papa Constantin Amouzou. Monsieur Césaire, la balle. Maman Yegen Mono, Yegen Mono, Maman Yegen Mono, Yana Mono Gulu, Maman Yegen Mono, Mono, Maman Yegen Mono. C'est belle et tobu yo yo, il y a une rayance de gangu. Le bébé dit la nana, n'a pas de bon, n'a pas de bon, qui y a une photo. Nyanos ngenevebu, haye ngenevebu, sindi el nerukore yambele. Yalla pa je masungele, evini mzizir mungbele. Ye wine oru kinangdede, juko nerele zindakbere. Le nene zewu akbe mada, yede nyala kiyem yala yala, yadala etndari jekun foto. Yo on no, lana kaive, mariage yaz batem na kuive, lesse daz nyonyo no zolum, si si zolum na bive bironye, si se vodin nzoyo yem, chukudu, nzoyo vefe, famya, nzoyo vefe, surabi wombe zove moyo biye, nyo nendoro, tere no zendoro gawiyo, mazi. Qui n'y a qu'un photo. Calor est ennuyé. N'y a nos et c'est bevain mon don yon dom. Akele mon nos et n'yon en gane. N'yon en rala c'est kadalou boulou. N'yon en ouese gelende yo. Ouese riyang c'est France 24. Yari el ne riyang RFI. N'don dana ya zizizin nawa. N'don dene ya zizin nawa. N'yon en rali yem. N'yon en ga. Qui n'y a qu'un photo. Tanere te uyem, yamolo, ti yakun foto, ngemelo, ti yakun foto. Tanere te uyem, melo zukul dar yakun foto. Ngeto dom ti yakun foto. Tanere te uyem, kurando yo ti yakun foto.
Pour ce que tu fais en cachette, n'est-ce pas? Et on va essayer de traduire ça comme ça, même si notre langue, eh bien, on ne maîtrise pas forcément la langue. On a compris ce que tu as dit. Merci beaucoup. Et tu peux prendre place, ce n'est pas encore la fin. Merci. Et tu me donnes le micro. Le micro n'est pas toi, donne-moi le micro. Savoir de choisir celui qui passe. Donc, Raga, easy. C'est ton tour. On va le mentionner. Non, tu me donnes ça. Je prends ça cadeau, non? Je prends? À la fin. Je prends? À la fin. À la fin. Merci beaucoup. Chef, comme vous voulez. Encore une fois, les gars, chef. Señorita, all the fresh, fresh. Mami, what a look, them, all the fresh, fresh. Baby, nana discreto. Oh, yo, yo, nana discreto. Oh, yo, yo, nana discreto. Yeah, nana discreto. Holy sha, 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 sha. Again, again. Holy sha, 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 sha. Again, again. Holy sha, 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 sha. Again, again. Holy sha, sha. Since I meet you, I'm feeling so right. Yeah, my take my girl, be my girl. No, 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 no. Easy. I go sing it for you, baby, I go love you. Then you move the white baby, then you're my cool. Le parrain, Docteur Nestor. Christophe Ville, sans monnaie. Mon vieux père, Fanny le robot. Romaric le bienfaiteur. Issa le pétrolier. Ami de la jeune riche.
ce soit la famille. Merci beaucoup pour la prestation. Non, tu peux gagner ta place. Mais grand frère Ilan, oui, c'est un showman là. Oh oui. Oui, votre oui. appréciation par rapport à ces deux morceaux. Moi, les deux précédents aussi, ou bien juste pour Raga. Oui, les deux. En général, voilà. Ce que moi je constate, c'est le niveau. Oui. Parce que c'est des artistes qui ne sont pas encore connus, mais ils ont un grand niveau. Quand tu écoutes la composition, quand tu écoutes comment ils ont orchestré, comment ils chantent, c'est que quand on va leur donner de la chance, de la visibilité, ils vont péter. Ils vont péter, voilà. Ok, merci c'est beaucoup Lenny. Voilà. Voilà. Mais Dixon, toi, tu dis quoi par rapport à ces deux-là? Voilà, moi je pense que c'était un vrai régal. Hein. C'était un vrai régal. Et je peux vous rassurer que sur ce seul Togolais, il y a vraiment des talents. Et qu'ils soient cachés ou rien. Univers. Voilà, l'univers togolais. Voilà. Univers Togo, il y a trop de talent, Ok. Mais, félicitations les gars. Voilà, le dernier qui arrive sur la liste pour ce soir, c'est donc notre ami du Ghana. Hello, bro. Take this mic. Come here, please. Chef, comme vous voulez. Vous avez copié avec notre frère Marcel, donc c'est notre ami. A cappella, please. Me va ruir,
Mevalu, Mevalu la Mevalu, 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 Thank you, bro. Grand frère, votre appréciation par rapport à cette prestation également. Grand frère, moi je pense que pour que quelqu'un passe ici, vous aviez déjà écouté justement. Justement, c'est sur l'instruction d'ailleurs. Ouais. Bon, maintenant, ce qui est important ici, c'est que après ce passage-là, qu'il puisse trouver de l'aide. Mm-hmm. Parce que la musique, c'est l'argent. Justement, il faut. Si pas l'argent, c'est pas évident. Ok. Faire de bons clés, Ok. Voilà. Au passage, je vous demande aussi de dire bonsoir au chef Lagou. Ah d'accord, bonsoir chef. Ok, il a compris le message. Voilà. Le chef a compris le message. Et mon frère, on va plus aller en anglais, mais cette fois c'est à Mina. Poufou, tu m'y crois. Moi bien, il y a VDC. Son encore, il y a des Togo Filo, il y a des Togo Filo, il y a des Togo Filo. D'accord, Dano. Fresh N. Eh ouais Dwana. Eh les filles, allô. Ah, vous êtes en Nigeria. Ils sont en Nigeria. Ils sont arrivés. Il y a grand frère qui est en Donori. Thank you. Donc il faut continuer dans ça. Thank you. Alors, nous avons Kafi et Galava aussi. Thank you. Et Gavan Bangwabi Milo. Ok. Bangwabi TV de Tchanglo. Ok. Draki de Motofi. Après tout, on va prendre un bas. On va prendre un bas. J'ai fait quoi? J'ai dit la vérité. Tu en sais quoi? Mesdames et messieurs, la suite de cette émission, c'est donc avec notre grand frère qui est arrivé. Quel bon vent vous amène? Il a le tourné chez nous. Oui. On a commencé avec la TV2. Oui. Vous étiez à l'hôtel de février. Oui. C'était en 2003. Il est de bonne guerre qu'après un temps d'absence, il faut revenir. Il faut remonter par là où on est descendu, oui. Ou bien il faut descendre par là où on est remonté, oui. Bon, voilà, un truc comme ça. Voilà, c'est pour ça que pour le lancement de ce nouveau clip, on a choisi de revenir ici. À TV2, et plus précisément dans l'émission, on est là. Voilà. Merci beaucoup, ça produit pour ça. Mais on parle justement de ce clip, Dixon, est-ce que tu as eu l'avant-goût de ce clip? On nous parle de Malembe, Malembe. Non, tu as envie de nous montrer. Ok. Donc, on va aller découvrir le clip.
mais pas la totalité, ouais. Un extrait, ouais. Et on revient pour en parler. D'accord. Ça peut aller. Ça chef, comme vous voulez, on découvre le clip. Quand vous rêvez, il faut y croire à tout prix. La vie est dure, la péripétie, les mauvais gens, la jalousie. Quand ça devient dur, seul et dur avance. Quand ça devient rude, seul et rude arrive. Non, 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 mais je vais devenir premier. Lève la mer si tu veux vraiment y arriver. Yeah, yeah. Cette année, c'est mon année. C'est la vie. À mon petit, là, je serai grand. Petit à petit, c'est parti, l'oiseau. Tu as découvert, attends, ouais. Tu m'as tiré dessus tout à l'heure. Tu as découvert ça. Ouais. Le lancement c'était aujourd'hui à 15h sur YouTube, mais l'exclusivité c'est sur la 2 ce soir dans On est là. Mais ton appréciation par rapport à ce clip? Alors là, moi je ne souhaite que tirer chaque fois là. C'était très belle réalisation. Oui, Thierry, oui. Voilà, et félicitations à eux, très belle sonorité. La voyait, voilà. Mais Muriel me fut le sécrétaire, ça l'a pénétré. Ouais. Ça fait du bien. Et okay. Moi, ce qui me fait du bien actuellement, c'est de quitter son fond de son bien, merci, chef. Merci là-bas, chef. Merci beaucoup. Donc, grand frère, il est entouré. Et tout à l'heure, on a découvert le clip. On sent que c'est au Togo. Ça s'est réalisé ici au Togo. Mais de quand, parce qu'entre-temps, vous n'étiez pas au pays. Mais c'est l'occasion aussi qu'on en parle. Vous êtes toujours au pays ou bien vous êtes de l'autre côté? Bon, entre-temps, je n'étais pas au pays. J'étais en Asie pour détourner, chanter. Corona a fait que Corona, je suis là. Maintenant, quand je voyage, c'est pour revenir. Ok, maintenant le clip, le morceau clippé, le message, c'est quoi, vous dites là-dedans? Le message, si vous voulez, c'est de l'espoir. Ok. Mais de l'espoir, pas parce que on vous en donne, de l'espoir parce que vous vous en donnez. Ok. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi. Quand vous rêvez, personne ne peut vous dire de rêver. Il faut que vous ayez envie de rêver. Justement. Maintenant, quand vous rêvez, il faut y croire. Ok. Sinon, ça n'arrivera pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok. Mais on est presque arrivé à la fin de l'émission. Et par rapport à ce qu'il peut, quelles sont vos attentes? Nous, on a travaillé. Est-ce qu'on peut penser à une renaissance? Justement. En fait, c'est pas une renaissance parce que...
moi je suis là. Depuis, et puis quoi encore, on t'a plus senti entre temps. Bien sûr, même j'écris toujours. Okay. Ici, je suis ghostwriter, j'écris, je vends. Okay. Mais vous ne saurez pas. Oui. Voilà, donc j'ai écrit pour beaucoup de gens. Je suis beatmaker. Oui. Et puis ghostwriter, je fais toutes les chansons. Oui. Et puis on fait un contrat. Moi, je suis toujours là. Okay. Seulement en Afrique, les gens ils n'aiment pas qu'on dise que c'est celui-ci qui a écrit. Donc moi, il y a des contrats exclusifs et des contrats où tu gardes le droit d'auteur. L'auteur. Voilà. Ouais. C'est un peu ça. Quelque part, je suis toujours là, je traîne dans mes ombres, mais discret. Ok. Mais le souhait pour ces chansons, c'est de pouvoir remporter aussi des prix par rapport à... En réalité, moi, je n'espère aucun prix. Bon, on fait ça pour le plaisir de vos fans. Le premier truc pour lequel je chante, c'est le plaisir pour moi-même d'abord. Oui. Et maintenant pour les fans. Maintenant, ce qui va venir, ça dépend de l'éternel. Et okay. Si ça vient, j'accepte. Si ça ne vient pas, je m'en fous. Vous attendez que cela vienne de soi. Oui. Dixon, un autre mot pour qu'on termine avec nos amis qui vont donner le contact. Je ne sais pas si tu as déjà prévu, mais moi, j'avais prévu qu'il fasse un acapella. Oui, c'est vers la fin. Vers la fin, il va le faire vers la fin. Je suis patient. Ok, maintenant, mardi, toi, tu prends le micro rapidement. On n'a pris pas le temps. Et le contact sur lequel on peut te toucher pour des événements ou le contact du manager. C'est le 91 09 23 39. Actualité rapidement. Juste après, si on te retrouve ou bien demain, on te retrouve où? Donc déjà, après l'émission, j'ai un showcase au niveau de Bavaria Discothèque à Gouin. Ok. Donc on peut te retrouver là-bas. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On peut te contacter sur le 91 09 23 39. Et tu donnes le micro à notre ami Raga Easy, please, en camion. Raga, et toi, on peut te joindre sur quel numéro? Sur deux numéros. Oui, sur deux numéros. Le premier 97. 114. 96. 96. C'est le Togocel, 93. Attends, c'est pas fini. 97, 114, 96, 81. Tiens, mis 81. Tiens, oublié 81. Et le Togocel, c'est 93. Le 93. 65. 80. Et 119. 119. Actualité. Bon, actualité, je peux dire pour le moment, c'est la promotion de mon nouveau single, c'est L'Amitié qui gagne. L'Amitié qui gagne. C'est un feat que j'ai fait avec un frère. La seconde prestation. Voilà. Ok. C'est avec un frère Drew. Drew, qui est burkinabé. Voilà, c'est un ingénieur aussi. Il est burkinabé, non? Non, il est togolais. Ouais. Ok. Donc, du coup, je vais dans la logique. Oui. C'est avec la promotion de L'Amitié. Okay. Là, après, on va faire un tour. Ok. Du Burkina. Ok. Pour le show. Merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Merci. My brother, please take the mic. Your number. Ok. 93. 93 02 50 02. Your actuality. Actuality. Hôtel Ouéa. Hôtel Ouéa. C'est une nouvelle chanson? Ou bien? Ok. Yeah. Merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Thank you very much. Yes. Thank you. Maraja, thank you. Thank you. Grand frère, Ilan, on est arrivé à la fin de notre prestation. Ah, d'accord. Avant que Dixon ne termine. D'accord. Ok. À la télé, derrière le président. Il y a Ali. Dans le presso, derrière le président. Il y a Ali. Derrière le président, il y a Ali. Dieu est grand. Oh, Dieu est grand. Il y a Ali. Dieu est grand. Il y a Ali. Presque arrivé à la fin, c'est la fin donc, mais il y a un message, il y a un téléspectateur qui demande si vous êtes ivoirien, togolais, parce que vous avez un accent ivoirien et puis les morceaux tendent vers Zouglou. En fait, c'est, oui, les gens ils disent Zouglou, mais vous êtes. Sipa. Voilà. Et que tu connais chez nous. On a des cultures
similaire. Mm. C'est comme quand vous voyez Mewé chanter, vous avez l'impression qu'il est de Paliné. Mm. Bon, bon, bon. Après, bon, 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 oui, oui. C'est les mêmes peuples. Ok. C'est la même sonorité. Ok. Merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Et nous sommes honorés aussi de nous présenter ton clip en exclusivité dans On est là. Merci beaucoup. Dixon, on a la fin. Un plaisir partagé. Mm. J'espère que les téléspectateurs également ont plus plaisir. Mm. Restez connectés, scotchés. Voilà, on se retrouve le week-end prochain. Et le défilé, ça tient? Oui, ça tient. 27 mai, rendez-vous. Ok. Merci beaucoup à Muriel. Merci d'être également avec nous. Merci à Blanche. Merci à mon big boss. Très balèze. Après, on va s'attraper. Je dis merci aussi à Génie. Merci à vous tous. Merci à mon frère Mati Brahima, qu'on a délogé. Il est arrivé forcé. On va dire merci également à notre chef, chef Lago. Merci pour le travail. J'espère bien que tes enfants ont crié et tu as entendu aussi leur cri. On va se retrouver le samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien, mesdames et messieurs. C'était donc votre émission. On est là. On est là. On est là. On est là. C'est quand vous rêvez, faut y croire à tout prix. La vie a dû la péripétie, les mauvais gens, la jalousie. Quand ça devient une seule musique, non, 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 mais je vais donner le premier. Lève la mer si tu veux vraiment y arriver. Cette année, c'est mon année. C'est la vie. Dans mon petit, là, je suis grand. Petit à petit, c'est parti, l'oiseau. Facile, I'm gonna die.